Coupez le lapin en 8 morceaux en conservant le foie. Salez à la fleur de sel et poivrez sur toutes les faces. Parsemez de thym et de quelques brindilles de romarin. Mettre à fondre le beurre salé. Disposez les morceaux de lapin et les faire doucement dorer sur toutes les faces. Et quand on fait revenir une viande comme ça, souvent les feux sont violents, ça cuit trop vite, ça rissole trop vite, les viandes sont brûlées, il faut que ça aille doucement, faire dorer doucement. Après 2 minutes de cuisson, ajoutez le foie de lapin et terminez sa cuisson en le déposant sur un morceau. Incorporez quelques cuillères à soupe de jus de carotte crue. Le laisser réduire et l'incorporer au fur et à mesure de la cuisson pour bien le faire caraméliser. Mettre à fondre le beurre. Ajouter 2 cuillères à soupe de jus de carotte. Et mettre à fondre la papaye épluchée et coupée en petits morceaux pendant 10 minutes sur feu doux. Après 10 minutes de cuisson, salez la papaye, ajoutez une pointe de curry. Donc là, on a assaisonné, mais on n'a pas fait cuire avec. Hein. On a juste simplement mis la peau de curry avant de mixer. Mixez. Incorporez le beurre. Mixez à nouveau. Et dressez la purée de papaye à part, à côté de la cocotte de lapin, caramélisé au jus de carotte. Lapin au jus de carotte cru. Pour 4 personnes, un lapin, 1 litre de jus de carotte, une papaye, une cuillère à café de thym, une demi-cuillère à café de romarin, 1 quart de cuillère à café de curry, 110 g de beurre salé, du sel, de la fleur de sel et du poivre du moulin.